Hello les amis et bienvenue sur Napoléon Total War, la grande campagne pour ce 31e épisode totalement incroyable. Aujourd'hui, on se retrouve devant la bataille contre Mikhaïl Koutouzov qui compte 1176 unités, alors que nous un peu plus, mais d'après la barre, nous sommes défavorables à cette bataille qui est en Autriche. Donc c'est parti, on va commencer cette bataille pour battre Kutuzov à Vienne en 1807. Alors je dois le rappeler, hein, on a jusqu'en 1812 pour faire cette campagne, donc on est encore assez large, hein. Il y a quand même vachement de temps pour faire cette campagne. Donc on va écouter, on va prendre notre temps avec Dominique Vandamme. Yeah! Dominique Vandamme! Il va lui foutre un high kick dans sa face, à Mikhaïl Kutuzov. Et on n'entendra plus parler. Hop, j'ai augmenté ma luminosité pour moi. Ça s'affichera sûrement, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est pendant l'écran de chargement, ça ne se verra, ça ne gênera pas. Hein. Hop. Donc, comment est notre champ de bataille? Sachant que on a des. D'ailleurs, c'est assez dommage dans ce jeu qu'ils ne mettent pas l'arrivée de nos unités de réserve. Par où est-ce qu'ils vont arriver? Alors, l'armée est juste en face de moi. On n'a vraiment pas un bon point. Pas du tout même. Alors ce qu'on va faire. On va faire un truc. Bon, ça va me faire marrer. Hein. On va faire des lignes comme ça. Ça sert strictement à rien. Hein. Et c'est comme si notre armée allait arriver. Et qu'elle était surprise. Par Kutuzov. Voilà. On va mettre une par là. Une par là. Voilà. On va mettre la cavalerie sur le côté. Avec le commandant pas loin. Les premières lignes. Et on va mettre nos deux canons. Bon, ça va être un peu faute de réalisme, mais bon. On va mettre nos canons un peu là. Voilà, de chaque côté. Écoutez, on va commencer comme ça la bataille. Alors, je vais quand même sélectionner mes troupes. Hein. On va quand même pas faire ça. Hop, allez. Là, voilà. Hop, donc c'est parti. Voilà. Hop, et on va faire une ligne digne de notre empire. On va mettre nos deux canons. Est-ce qu'ils ont une bonne fenêtre de tir? C'est ça surtout qu'il faut chercher maintenant, c'est une bonne fenêtre de tir. Et ici, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Donc on va remettre. Alors on va remettre, pour le coup, quelques unités par là, comme ceci. Et l'autre partie de mes unités, comme ceci. Nous allons mettre notre général avec la cavalerie. Alors la cavalerie va être très importante aussi. Où est-ce qu'ils arrivent mes soutiens? Un peu derrière, d'accord. C'est bien parce que ça fait un peu. Ça fait un peu le. Ça fait un peu le même endroit où on arrive et tout. Ça fait classe, ça fait classe. Regardez cette armée qui marche au pas dans la neige. Alors que eux, ils commencent à faire bouger leur unité avec des cosaques. Les cosaques, magnifique unité. Ah, ils font bouger leur unité aussi ici. Alors qu'est-ce qu'ils ont d'ailleurs? Des mousquetaires, une infanterie de base. J'aime bien cette infanterie. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière fois ma vidéo sur la vengeance des Russes, c'est une unité que j'aimais particulièrement, qui ressemble tout simplement à notre infanterie de ligne, comme on a là. Alors, très important, on va devoir attaquer les hussards. Regardez-moi ces hussards. Magnifique. Très très beau hussard. Regardez, ils sont bien en rang en plus. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Fantassin. Oh là, j'entends des gars. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait?
Ok, c'est eux qui commencent à s'exciter, les Cosaques là commencent à s'exciter. Il est où Kutuzov? On va regarder où est Kutuzov, qui est juste ici normalement. Alors il est où? Il est où? Non. Il y a quelqu'un là? Non. Non. Bah, c'est censé être lui, mais par rapport à l'histoire, je trouve qu'il ne ressemble pas du tout même à la photo qu'on avait tout à l'heure. Ils se sont gourés. Super Bright! Ouais, il est pas très ressemblant pour le coup. Alors que le général est juste là. Toi, tu vas te dépêcher quand même de te mettre en position par ici. Ces unités-là sont bientôt en position. Alors, ils vont quoi? Canon de 6 livres paraît à tirer. Batterie au rapport. En position. Ah oui, c'est mes unités de soutien qui vont passer par ici. Alors bon, les unités de soutien, on va les mettre par là. Ah bon, on essaie de faire leur taf, hein. Encore avant de tirer. Bah, attends. Monsieur. Est-ce qu'on peut avoir Kutuzov d'ici? Non. On va tirer du coup sur ces unités. Un là, un là. Hop, c'est parti. Ok, ils ont attendu que nos unités passent, c'est très très bien. Et maintenant c'est le moment des tirs. Ok, ça fait un peu de dégâts. C'est bien, très très bien. Ouh, une bonne ligne parfaite là. Coupé. Qu'est-ce qu'on a là? La cavalerie et des canons. Ok. Bon. Oh là 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 là. Ils se font mais exploser encore une fois avec leur cavalerie. Ah, par contre celle-ci aussi il arrive. Hein. Alors hop. On va reculer un tout petit peu cette. Marchez. Marchez. Comme ceci. Pour pas avoir de dégâts. Et continue donc à tirer là-dessus, c'est très très bien. Ça passe pas loin. Hein. Hop, on va se mettre. Ils vont se mettre en position là. Parce que là, on dirait qu'ils vont être prêts à faire une petite charge. On va mettre notre infanterie comme ceci pour les accueillir. Ah ouais, ils ont pris tellement cher là, en un seul boulet de canon qu'ils vont pas faire long feu. Hein. Oula, oh, oh, tire pas sur mes gars, toi, hein. T'es fou. Monsieur. Et tire-moi là-dessus, ça sert à rien maintenant. Donc lui, il a échappé belle, hein. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça a l'air d'être très marrant pour eux. D'avancer comme ça, sous les feux de l'artillerie. Ils attendent, hein. Ok, donc déjà ça s'est éliminé. Voilà, une cavalerie de fait. Hop, on va pas non plus user beaucoup de munitions pour eux. Et voilà, hop, unité en moins. Même la milice s'y met. Incroyable. Elle est incroyable cette infanterie. Même la milice. Hein. Oh punaise. Par contre là, opposition. Ok. Maintenant on va faire attaquer là-dessus. Alors attaquons là-dessus. Hop. Et toi je vais demander d'attaquer Kutuzov. Hop là, lui ça rend moins.
Oh là là, il passe devant les lignes en plus. Et boum 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 boum. Voilà, ça c'est fait, magnifique. Alors eux ils vont pas bouger, non, bougez pas, bougez pas. On va les attendre là du coup. Faut savoir que si je tue encore une fois Kutuzov, c'est gagné. Et là il a pris vraiment de très très gros dégâts. Là aussi ils prennent extrêmement de dégâts. Voilà, hop, ils font demi-tour. Allez tiens, fais-toi plaisir. Attaque-moi ça. On va envoyer notre cavalerie par derrière. Monsieur, notre général essuie une attaque. Non, il attaque lui-même. Il va montrer ses talents. Faut bien qu'il augmente en... Faut bien qu'il montre l'exemple à ses hommes. Voilà, hop, ça c'est fait. Magnifique. Allez, on va faire avancer notre, notre ligne. La milice prête à se battre, c'est très très bien. Et hop, c'est parti, on va l'envoyer dans les derrières. Après, même à faire feu avec ça. Allez, allez, hop, 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 hop. On va se préparer à faire une bonne attaque frontale, là. Allez, hop, on les fait avancer. Quoi tu veux, gamin, tu tires dessus. Pas l'air d'être très concerné. Ah, c'est bon. Ouh, la salve là qui fait bien mal. Voilà, cette ligne impeccable. Vous savez quoi, ils vont attaquer. Ils vont être attaqués par ma cavalerie. Ils ont ça à faire. Alors que leur général est en train de fuir. Mais il faut aider notre infanterie là. Oh là là, les tirs, incroyable. Hop, par ici eux. Où est-ce qu'il est Kutuzov? Allez, il s'écasse là-haut. Ça c'est pas très très bon. Regardez leur morale. Ouais, perte de bataille, général en vie, général en vie. Donc bon. Un qui est mis en déroute, voilà. Allié mis en déroute. Donc ça c'est inquiète. Et c'est très bien pour nous. Il va se prendre une charge à l'arrière. Allez, on court, on court, on court, on court. Magnifique ça. Cette charge là sur l'ennemi. Un petit coup de fusil. Même pas. On va être sûr qu'ils reviennent dans mon poids. C'est russe. On va certainement tirer aussi loin. On les démontrera jusqu'au bout. En plus, ils arrivent en plein sur la ligne. Ah, vas-y, charge-moi ça. On va s'en occuper. Chargé. Hop. Arrête de tirer. Ou alors tu tires là. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Voilà, ils prennent tellement, mais tellement cher. Ça, c'est incroyable. Hop, ça, c'est fait. On ne les reverra plus.
sont combien là? 33, ouais, c'est mort. 42, ça par contre, il y a encore beaucoup de monde. Ces deux charges au final, quoi. Avec tout le monde. Allez hop, tu peux même arrêter de ça. On va continuer à progresser parce qu'il nous reste quand même de l'ennemi. Par ici, hop. Hop. Regardez-moi cette charge là, il y a le bazar qu'il y a. Hop, en moins. Oh, lui, c'est terminé pour lui là. Voilà, hop, c'est terminé. Crac. Oh là là, le bazar. Hop, on va arrêter de les faire courir quand même. On va se remettre en position. Stop. On se met en position. Allez, go, 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 go. Oh putain, ils vont charger. Allez, chargez aussi. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Lancez des ordres. Infanterie, au rapport. À vos ordres. Il n'y a pas besoin de courir, hein. Mais oh, qu'est-ce que tu fais, toi? T'es fou, toi. Toi, tu avances. Hop, il va avancer. Il va se mettre par là, alors que les tirs de canon font en feu sur nos unités. Ils sont là pour ça, de toute façon. Suicide. Allez, c'est parti. Allez, hop. Ça continue à avancer tout ça. Oh la vache. C'est beau, hein. Allez hop, toi tu vas intervenir. C'est parti. Oui monsieur. Attention à l'arcade. Formation des carrés. Oula, on va faire plusieurs carrés, je le sens. L'une de nos unités est à court de munitions, monsieur. C'est pas grave, c'est à court de munitions. Du moment qu'il extermine ça, ça me va. Allez, 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 on court, on court, on court, on court. Hop, ça les a fait reculer. Non, continue, 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 continue. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ils vont mourir. Voilà, hop, ils sont morts. On va les mettre derrière cette ligne. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Eh ben, marchez, marchez, marchez. Marche, marche, attaque. Allez, hop, nos lignes. On les fait progresser. En espérant qu'eux, ils vont pas revenir. Ils sont quand même 11. Hein. Donc on n'aura pas mis assez de dégâts. Alors que... ma milice est juste devant, quoi. Oh la vache. Marche. Allez, hop. Rapide. Marche rapide. Attends les ordres, monsieur. Retirez-vous. Dommage qu'on puisse pas ramasser les balles. Ah, ils sont en train de revenir, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font demi-tour? Ouais, c'est la peur, la peur. La peur est présente. Ils sont en train de recharger eux. Wow. J'aime beaucoup leur position là. Très très beau.
Là, ils peuvent faire des beaux tirs. Première ligne, bam. Deuxième ligne. Mais bon, on peut plus faire ça dans ce jeu. C'est assez dommage. Ah, ils sont en train de partir. Ils ont peur. D'accord. D'accord. Bon. Ça serait une victoire, alors. Ah ouais, d'accord, bon. Voilà, c'est fait. Une bataille de fête. Juste en arrivant comme ça, on leur a fait peur. Bah, c'est très bien, écoutez. Ça me fera une moins de victimes possible. Fin de victoire. Victoire héroïque. Et donc, les amis, on a eu un petit problème. Le jeu a crash au même moment, mais du coup, j'ai dû refaire la bataille. Et bonne nouvelle, donc nous avons réussi à vaincre Kutuzov avec seulement ces unités-là, hein, comme d'habitude. Et un peu plus de mal, mais bon, voilà. On a réussi à liquider totalement son armée. Et ça, c'est très très bien. Hop, on va les remettre chez eux. Voilà. Eux, ils vont plus pouvoir faire grand-chose finalement. Ils essaient de nous attaquer parce qu'ils sont vraiment trop blessés. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ma nouvelle armée qui devait progresser pour aller à Danzig. Eh bien, en avant. Hop là, c'est parti. À Danzig. Voilà. Bon, ils vont perdre un peu d'unité hein, pour le coup. Et c'est pas très très grave. Ici, cette unité est en train de crever de froid. C'est le mot. Oh, on a quelqu'un à abattre là-dedans. Bonjour. Bonjour. Assassinat 60%. C'est pas mal. On va envoyer. Oui, hop. Infiltrer là-dedans. À Danzig. Ok, il peut pas aller plus loin. On va faire dans le bateau. On va mettre un bateau de... Voilà, une frégate comme ça quand même. Au nom de... Mercure. Voilà. On va essayer de faire d'ailleurs le petit air. Ça se voit pas trop. Hop, on va appeler ça comme ça. Le Mercure. C'est pas mal comme nom de bateau. J'aime beaucoup. Ici, on a encore un petit bateau là. Oh, on a encore du bateau en réserve. C'est pas mal à s'occuper dans les prochains tours. De toute façon, on va faire une bonne grosse armée de marine pour défaire Nelson, Horatio Nelson, qui je vous rappelle va être un de nos objectifs. Voilà. Avant de continuer cette aventure, ici ils ont quand même c'est tout ce qui est révolutionnaire. Allez hop, à la guerre. Détruisez-moi ça, exactement. Tiens, hop, tu me le refais. Et tu me déglingues ceci. Magnifique. Allez, retourne en arrière. À Berlin. Hop, ça c'est fait. Donc il n'y a plus de rébellion dans le coin. On l'a maîtrisé. Hop, je vais regarder juste avant un peu tout ce qui est gouvernement. Quelles sont les régions à haut risque? Donc la Silésie. Ah oui, la Silésie, d'ailleurs. Ah, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus grand monde à la Silésie. Hop, bon, en quelques tours, ça va être réduit. Voilà, plus un de morale. C'est bien ces petits trucs-là, parce que du coup, ça nous augmente un peu les capacités de notre général. Dans la région. Alors, ils sont alliés. Bah, c'est très très bien. Restez alliés avec nous. On va passer le tour. On va attendre que Napoléon ait récupéré beaucoup de ses hommes pour continuer notre aventure. Et en plus, on est en train de faire du recrutement. Ah, même pas. Bon, j'ai pas fait de recrutement, c'est dommage. Alors, on va faire comme recrutement de la milice. Et on va faire la Légion polonaise, parce que ça c'est quand même le truc qu'il y a là-haut, quoi. La Légion polonaise. Le respect. Alors regardons un peu cette armée qui est en train de s'effacer petit à petit. Là, tu peux faire ton malin, mais dans quelques tours, c'est fini. Hein. Donc ça, on va pouvoir le réparer encore une fois. Pas très très grave. Ici, on a oui, Milord. Ceci.
Très bien. Prêt. Je me mets à couvert. On va pouvoir faire sortir Napoléon de cet endroit pour continuer son chemin vers la Russie. Lui, donc, c'est la Russie, hein, direct. Hein. Non, on va juste le faire sortir. On va le mettre là. Il faut que ces unités reprennent leurs droits. Voilà, hop. On va faire ça. Ok, j'ai plus d'argent pour faire la suite. On va envoyer. Oui. Quoi là, ils ont pas. Oui, Milord. Est-ce qu'ils ont souffert? Ils ont souffert un peu de l'usure de l'hiver. J'aime beaucoup cette image là. Je la trouve très très classe. Très très classe. Ok, donc ça. Ça c'est pas très très grave. C'est-à-dire qu'il y a des espions dans le coin là. Il y a des espions. Ah oui, mais c'est ça, tant que ça sera pété, ils vont être malheureux, hein. Ouh là là. Écoutez, on a envoyé ça très très bien. On va envoyer notre espion dans cette ville pour voir un peu l'état. Comme ça. Oui, bon, alors, il n'y a pas une très très grosse armée en face. Écoutez, on va faire l'attaque comme ça. Victory! Et la conquête de Königsberg, l'ultime bastion de nationalisme prussien, est désormais tombée sous le contrôle des Français et les moindres poches de résistance de votre ambition visionnaire ont été écrasées. Le survivant implore notre clémence et propose de faire la paix. Ils offrent de nous dédommager généreusement pour s'excuser de leur opposition récente à l'autorité française. Vous êtes encore rapprochés de votre idéal, unir l'Europe sous une seule bannière, celle de la France. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Union pacifique, voilà. Faction détruite, la Prusse. Oh là 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 là. Cette nation a été détruite. Ces régions ayant été prises par l'ennemi. Une nation toutefois resplendissante ne sera qu'une note de bas de page de livre d'histoire. Dans le livre d'histoire, oh là là. Voilà. Bon, la Prusse a été détruite. Mais c'est pas grave parce que elle reste dans nos rangs et dans nos cœurs. La Prusse. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme... pourrait faire des unités un peu... des unités exprès pour notre petit empire. Hop, on va recruter ça. Comme d'habitude. Ici, donc là, on est en train d'améliorer nos positions avec eux. Et là, on va commencer à attaquer la Russie. Ruskia. Bon, ça va être la même chose, hein. Des petites poches d'infanterie par-ci, par-là. Oh là, donc, il y a du monde là. Bon, Silésie là. Ça c'est très important. Eux ils ont pas faim. Ah, ouais. On a une autre armée là. Hein. Ça c'est une autre armée. Très très bien. Hop, ça on va le remettre bien. On a plus beaucoup d'argent. Mais pas bien grave. Pas bien grave. Voilà, bah une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'on a? Normalement, on a ouais, deux bateaux, une frégate, le Mercure. Très très beau bateau, hein, pour le coup. Et voilà que notre empire continue à avancer. Oh! Ils osent attaquer Ajaccio! Mon Dieu! La Corse, quoi. Ah oui, et puis c'est pas de la petite infanterie. Hein. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on a comme armée qui va pouvoir y aller? Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoutez. Ah, mais Berlin ne peut pas être... sans garnison, vraiment une très très grosse garnison. Bah écoutez, cette armée va y aller. Parce que c'est la seule qui a des canons. On va envoyer ça. Voilà.
C'est étonnant quand même qu'elle arrive pas. Ah oui, mais il reste encore un tour pour voir un opéra. Bam bam bam. J'ai pas un autre général là qui sert à rien dans le coin. Objectif, c'est passé à Moscou. Ma liste de d'infanterie qui est juste ici. Agent. Non. C'est mes généraux qui sont là. Ok. J'ai Napoléon. J'ai lui. Lui. Qui est là. Très très bien. François Lefebvre. Qui ne sert pas à grand-chose. Ok. Ah mais j'ai cette petite armée qui sert à rien pour le coup. Qui est juste là. Ex-général. Il est où? Allez, hop, toi on va te bouger. Tu vas reconquérir cet espace. Cette honte quand même d'attaquer Ajaccio, petite ville de campagne, très très bien. Et on va attendre qu'il fasse des choses dedans. Aïe 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 aïe, petite armée. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? Armée, la Légion polonaise, c'était ça que j'attendais. Marchez! Et on va attaquer. On va continuer d'avancer dans cette région. Hop. Tu vas t'infiltrer, Prends mais de la toute façon, cible, on c'est va la pas voir tienne. grand-chose. Voilà. Ah, regardez l'Empire ottoman qui reprend la Hongrie. Magnifique. Ça, c'est beau. Alors, où est-ce qu'il en est, mon plan d'envahir l'Angleterre. Limite. On va envoyer ces unités là qui servent pas grand chose pour le coup à Paris. Avant avoir des unités bien plus rapidement. Attention à ce que ça ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Ouais. On va refaire de la milice. Hein. Hop, de la milice. Ajaccio est perdu. Pour le coup, combien de tours ça va me prendre? Quand même un sacré. Hein. Ouais. Ça va me faire un sacré détour. C'est vrai que j'ai des alliés là. Là, on est en paix contre eux. Ici, on est en guerre. Le royaume de Naples. Pas très très gros. Pas très 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 cool comme truc. Voilà. Hop, on va passer un autre tour. On va regarder que les Anglais vont bien prendre Ajaccio. Voilà, bon. C'est perdu d'avance. Ajaccio aux Anglais. Ah ouais. Eh ouais, eh ouais. Aussi étonnant que cela peut paraître. Ah! Bon. Allez, j'accepte parce que c'est toi. Oula! Commence à augmenter mon. Ah, mais là, ça m'a coupé carrément ma petite partie là. Ah, j'ai un bateau ici de. Ah ouais, j'ai des bateaux ici. Ah, je savais même pas. J'avais même pas vu. J'ai des bateaux. Ah, mais j'ai des frégates. Ah, mais ça, c'est pas des bateaux pour faire ça. Retourne par là. Est-ce qu'ils sont en train de. En plus, ils prennent même pas d'argent. Hein. Ils prennent rien du tout. Ouais, on va les faire avancer. On a des alliés ici du comptoir. Oh, bah nickel, hein. Ça, c'est beau. Allez, hop, ça, on va les faire progresser. Par ici. Donc, dans 3 tours, ça c'est fait. Ils sont en grève. Je sais que vous êtes en grève, mes petits. Et oh là, l'infrastructure, elle est bonne là. Hein. Voilà, on va faire un grand opéra. Ça, je peux encore rien faire là-dessus. Où est-ce qu'il est, mon général? De ma deuxième armée, il est là. Toi, c'est là-haut. Hop. Mieux. Oh, je me suis trompé. Ok. C'est toi qui vas par là. Et toi, avec ta petite armée, tu vas rejoindre Paris. Voilà. Très bien. Et ici, on va attaquer cette première grande ville, ce premier centre-ville.
Nous avons triomphé. Voilà, et voilà. Eh bien les amis, on va se laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. En essayant Constantin Leron. Ouais, il a été explosé. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. La conquête de la Russie est proche. La vengeance de la Corse sera faite. Et la prise de Londres, sûrement. Voilà, sûrement, elle va être prise. Et je l'espère. Qu'est-ce qu'on a ici? Une frégate aussi. Oh. On a des bateaux quand même. Hein. Ça, c'est beau. Je sais que tu peux pas le faire. Allez, les amis, on se dit à la prochaine. Ciao, 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 ciao.